replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. Il est 10h40 et j'ai en ma compagnie une merveilleuse enchanteresse. Coucou jolie enchanteresse. Coucou. Oh, que c'est beau de t'entendre. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Merveilleuse. Eh bien écoute, coucou Alina et coucou à tous les enchanteurs. Franchement, je profite de t'avoir à l'antenne ce matin pour vous dire un grand bravo à tous les trois, à Cadarn pour la création de cette jolie chronique, comme à l'accoutumée. Mais surtout, bah, ce magnifique duo avec Abyss, c'était vraiment une belle surprise. Chapeau. Ouais, bah moi ça m'a fait super plaisir et c'est vrai qu'on a fait une bonne équipe. Voilà, donc voilà, c'est la réunion magique de la Bretagne et de l'Alsace. Il y a beaucoup de points communs d'ailleurs hein, entre les peuples des extrémités. Ah, c'est dingue ça. Eh oui. Ce serait intéressant un jour, pourquoi pas, de montrer cette corrélation. Mais d'ailleurs, on dit toujours en fait, quand tu vas en Bretagne, tu retrouves tous tes voisins. Hein. Tous les étés. Et oui, parce que les Alsaciens adorent la Bretagne. Alors, je ne sais pas si dans l'autre sens, les Bretons adorent venir en Alsace. Je pense qu'il leur manque un peu la mer, mais non, il y a beaucoup d'acquaintances, je pense beaucoup de points communs à faire entre les deux cultures. Alors, peut-être, en tous les cas, dans le côté un petit peu barré dans leur culture, dans leur histoire et aussi, on va dire, un peu dans leur identité, ouais. Alors peut-être, dit-on, hein, une future émission ou chronique spéciale Witchy Planet autour de ça. Peut-être. C'est une piste à creuser. Très ouais. Intéressant, Alina, ouais. Totalement. Et donc ce matin, tu viens pour ta Witchy Planet comme chaque troisième dimanche du mois. Et en ce moment, tu nous fais découvrir l'univers magique de Paris, donc le Paris magique. Et j'ai vu ton plan, ma très chère Vera, c'est « Oh my God ». Comme à chaque fois, je remarque. C'est beau. Hein, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'envoie avec grand plaisir. Et comme je le dis toujours, en fait, moi, je le fais avant tout pour moi. Alors, il est riche aussi en illustrations parce que c'est ce qui me permet en fait aussi un peu de rentrer dans le sujet en visualisant en fait des lieux que je connais pour la plupart et des lieux que je ne connais pas pour certains. D'accord. Et je pense sincèrement, donc là c'est un message que je lance à Roxane. Franchement Roxane, demande les PDF de notre très chère Vera, tu seras étonnée et émerveillée. Alors c'est parti. Alors Roxane, elle doit bien connaître, oui effectivement, puisque c'est son lieu de vie. Totalement. Et donc ce matin, on part dans le 4e arrondissement de Paris. Et oui, la dernière fois, on était parti dans le premier pour découvrir le quartier du Louvre. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le 4e arrondissement, qui est un quartier qui est très connu, qui est très touristique. Il se trouve sur les rives droites de la Seine. Et c'est là où vous allez retrouver notamment l'hôtel de ville, mais aussi l'île Saint-Louis, l'île de la Cité. Et il est particulièrement connu et apprécié des Parisiens pour son célèbre quartier du Marais, qui est l'un des plus beaux et l'un des plus vieux quartiers de la capitale. Et dans ce quartier, pour ceux qui connaissent, vous allez y trouver beaucoup d'animations, beaucoup de boutiques, beaucoup de bars, de restaurants. Et évidemment, ce quartier, il tire son nom des anciens marécages sur lesquels il a été construit. Mais dans le 4e, outre le Marais, vous allez aussi trouver le Centre Pompidou, qui est un centre d'art contemporain, d'art moderne. Et puis aussi la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Donc autant vous dire que l'ennui n'a pas sa place dans ce coin de Paris. Voilà, donc moi ce que je vous propose ce matin, c'est de faire des choix. Bah oui, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à voir dans le 4e arrondissement. Mais ce que je vous propose en fait, c'est de donner, on va dire, à cette balade dominicale ésotérique une thématique, une coloration un peu particulière. J'aimerais vous parler d'alchimie. Et oui, parce qu'en fait, le 4e arrondissement, c'est le lieu de vie d'une figure emblématique de l'ésotérisme. Alina, tu vois de qui je parle? Bien sûr, qui ne connaît pas la figure énorme de l'alchimie. Tu veux que je le donne? Oui, avec plaisir, vas-y. Attention les amis, ouvrez bien grand hein, vos oreilles. Eh bien c'est Nicolas Flamel. Wow!
Et oui, le fameux Nicolas Flamel, dont nous allons creuser ce matin l'histoire et la légende, qui sont intimement liées. Mais avant de vous parler de cet illustre personnage, j'aimerais vous planter un peu le décor en vous parlant d'alchimie. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, l'alchimie, j'ai mis un peu de temps à y voir clair. Parce qu'en fait, quand on parle d'alchimie, ben, on parle comme ça, basiquement, de la transformation du plomb en or. En fait, l'alchimie recouvre une richesse de notions qui est absolument fantastique. Et donc, je vais essayer modestement ce matin un petit peu de vous donner comment dire, une définition un petit peu plus développée et puis de revenir un peu sur son histoire. Est-ce que toi, Lina, l'alchimie, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Alors, à la base, je suis comme toi et je pense nombreuses de personnes. L'alchimie n'a jamais été un sujet qui me passionne, étrangement. Pourtant, je suis fan d'Harry Potter, j'adore l'histoire autour de Nicolas Flamel. Mais en fait, ce qui m'a fait entrer dans l'alchimie, c'est à force d'être passionnée par les contes et de me rendre compte qu'il y avait énormément de clés alchimiques dans les contes. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étrange, autant de clés alchimiques dans les contes. Donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être creuser autour du symbolisme et de tout ce qu'on en dit de l'alchimie. Donc, ah ouais, mais ça c'est passionnant et ça, tu pourrais peut-être nous en parler un jour. Ah bah oui, alors je fais des émissions spéciales chaque troisième samedi du mois. Entre, oui, sur les contes, ouais. Tout à fait, donc je décortique. Alors je ne développe pas vraiment tout le côté alchimique parce qu'il y a énormément de vidéos qui parlent de ça et je trouve que c'est un petit peu redondant. Moi, je m'oriente plus sur le côté psycho, astrologie, archétype, bien sûr. Mm-hmm. Et puis surtout, on révèle des choses au niveau des symbolismes. Donc c'est assez passionnant à faire comme travail et à retranscrire. Mais quand on fait ses recherches autour des contes, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses autour de l'alchimie. Et c'est ça que je trouve dingue. Ah, mais ça ne me surprend pas du tout parce qu'en fait, c'est vrai que l'alchimie, on va dire y coller plein d'étiquettes, mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement riche, qui englobe en fait tellement, qui recouvre finalement, on va dire, tellement de domaines, tellement de disciplines que du coup, ça me surprend pas du tout qu'on va retrouver ça dans les allégories des contes. Donc voilà comment je suis entrée dans l'alchimie, entre guillemets, hein, parce que je suis pas du tout une pro. Hein. Donc je vais te laisser nous faire découvrir ça ce matin alors. Oui, alors on va peut-être commencer basiquement par la définition du dictionnaire. Alors selon le Larousse, l'alchimie, c'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Et quant au Robert, lui, il nous dit que l'alchimie, c'est une science occulte en vogue au Moyen-Âge, née de la fusion des techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. Un synonyme pourrait être l'hermétisme, et au sens figuré, l'alchimie peut être traduite par transformation ou transmutation mystérieuse. On parle notamment aussi de l'alchimie des corps. Donc voilà pour la définition du dictionnaire. Alors, comme tu le disais, Alina, c'est vrai qu'alchimie, on va aussi penser à Harry Potter, puisque c'est dans cette œuvre récente que l'alchimie a été remise un petit peu au goût du jour et finalement a été peut-être aussi découverte par les plus jeunes générations. En fait, il faut savoir que l'alchimie, bah, c'était une science, ou plutôt, je dirais même une métascience, qui a évolué à travers les âges et a revêtu à chaque fois, on va dire, des orientations un petit peu particulières. Mais tout à l'amorce, c'est vraiment en fait une science qui regroupait finalement un ensemble de disciplines, un ensemble de savoirs divers et variés. Et en tous les cas, tout au long du temps, que je vais vous détailler un petit peu après en vous contant l'histoire de l'alchimie, on peut dire qu'en tous les cas, les alchimistes ont cherché à accomplir trois choses. La première, c'était de trouver le moyen de transformer des métaux simples, comme le fer, le plomb, l'étain, en métaux précieux, comme l'or ou l'argent. Ils ont cherché aussi, en second lieu, à composer un élixir d'immortalité. Et enfin, certains ont tenté aussi de créer un homoncule, c'est-à-dire un être artificiel de petite taille. Mais nous y reviendrons à travers l'histoire que je vais vous conter juste après. Juste avant, un peu d'étymologie. Alors, alchimie viendrait
Donc là, toujours, hein, l'étymologie est discutée, mais ça, c'est habituel. Et le mot alchimie viendrait de l'arabe alchimia, qui vient lui-même du grec ancien kéméia, qui désignait, on va dire, la chimie dans son acceptation moderne, ou bien du grec kouméia, qui désigne un mélange, une mixture. Et le terme d'alchimie apparaît en fait dans le vocabulaire français au XIVe siècle par le latin médiéval alchemia. Donc voilà pour la parenthèse étymologique. Concernant l'histoire de l'alchimie, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une pratique qui est très ancienne et qui visait donc à recréer des substances précieuses, comme je vous le disais, à l'aide de recettes et de matériaux de transformation, tels que la fameuse pierre philosophale. Donc l'histoire de l'alchimie, elle est souvent obscure, aussi obscure que les secrets que les alchimistes souhaitaient découvrir. Et elle va prendre véritablement son essor dans l'Égypte gréco-romaine du 1er au 7e siècle de notre ère. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'alchimie, finalement, à travers les âges et à travers toutes les nombreuses cultures anciennes qu'elle a irriguées, amenait en fait les penseurs à se poser les questions qui relevaient en fait de la philosophie naturelle, puisque c'est, on peut dire, un autre synonyme de l'alchimie, la philosophie naturelle. Et ces questions qu'ils ont tenté, on va dire, de percer, ben c'était justement comment les choses naissent-elles, ou encore comment est-ce qu'on pouvait transformer comment dire, une certaine chose en d'autres choses, et de quoi finalement les choses étaient faites. Voilà les questions qu'ont tenté, on va dire, les alchimistes de percer. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire de l'alchimie, je vous disais que c'est né à partir du 1er siècle de notre ère. Après cette période-là, l'alchimie, à la période, on va dire, de la Renaissance, va connaître une nouvelle ère. Donc, c'est véritablement avec la perte, en fait, des textes anciens et leur redécouverte à la Renaissance que l'alchimie va disparaître en fait pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire entre le 7e siècle et la Renaissance. Et c'est avec l'ère moderne, donc qui va conduire à la révolution scientifique, donc entre 1500 et 1700, qu'il y a un renouveau de l'étude de l'alchimie qui va se produire. Donc là, les alchimistes ont tenté toujours de fabriquer de l'or à partir de métaux communs, mais l'alchimie va aussi s'intéresser, va aussi développer, on va dire, de nouveaux savoirs dans des applications comme la médecine, avec Paracelse notamment, puisque le but c'était d'améliorer des médicaments. Et une autre nouvelle voie de l'alchimie va se développer au cours de cette période. Ça va être, on va dire, la voie bah, purement philosophique, puisque les penseurs de l'époque vont prendre les principes de l'alchimie comme une allégorie justement. Et donc notamment les alchimistes eux-mêmes vont utiliser de plus en plus un langage allégorique et métaphorique pour leurs recherches et leurs ingrédients. Donc on va voir apparaître dans leur vocabulaire des mots tels que mariage, naissance et mort pour décrire les processus alchimiques. Et la triade de substances si chères aux alchimistes, à savoir le mercure qui représente la volatilité, le soufre, qui représente la combustibilité, ou le sel qui représente la stabilité, fut même à cette époque assimilée à la Sainte Trinité du christianisme. C'est à ce moment-là que l'alchimie va même être considérée comme une méthode pour atteindre le salut de l'âme, pour atteindre sa rédemption. À cette époque aussi, donc l'alchimie fut de plus en plus associée à la basse magie, elle-même associée évidemment au diable. Et donc, de nombreux alchimistes vont être dénoncés comme des fraudeurs, puisqu'on les a pris pour certains la main dans le sac en train de vendre de l'or qui n'en était pas. Et certains alchimistes, d'ailleurs, vont même tenter de fabriquer un être humain en réunissant certaines substances. Et celui qui, notamment, s'est illustré dans cette discipline, c'est un personnage que vous connaissez tous très bien, qui, ou en tous les cas, dont on a souvent parlé sur les ondes de la radio, c'est Paracelse, qui était médecin et alchimiste. Donc Paracelse, hein, il est né en 1493, il est mort en 1541. Et je vais vous donner sa méthode
pour créer donc un homoncule, donc ce fameux être miniature. Alors, je cite, hein, qu'on mette le sperme d'un homme à pourrir dans une courge avec du Vanterre équinus. Alors, Vanterre équinus, c'est en fait du crottin de cheval. Hein. Donc, du Vanterre équinus en état de putréfaction avancée pendant 40 jours ou jusqu'à ce qu'il commence à vivre, à bouger, à s'agiter, ce qu'on peut voir facilement. Passé ce délai, il y aura quelque chose ressemblant à un être humain, mais transparent et sans forme. C'est un peu creepy, hein, c'est un peu bizarre. Hein. Donc voilà, typiquement, l'applicatif de l'alchimie dans le domaine de la médecine. Alors, Paracelse en a fait des applicatifs beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus parlants et beaucoup plus efficaces. Hein. Ça relève effectivement de quelque chose d'un petit peu plus. Ça, c'est un peu le paroxysme, quand même, on va dire. Hein, la création de l'homonculus. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse par rapport à Paracelse. Que vous dire encore par rapport donc justement à l'histoire de l'alchimie? Donc ensuite, passé cette période de la Renaissance avec justement l'ère moderne et cette révolution scientifique qui commence à pointer le bout de son nez. Au XVIIe siècle, eh bien, l'alchimie n'est pas tout à fait morte, puisque même certains scientifiques éminents de l'époque, comme Isaac Newton, va mener des expériences approfondies alchimiques, et il va même d'ailleurs créer son propre laboratoire d'alchimie, Isaac Newton. Donc, Isaac Newton, c'est 1642-1727. Ensuite, tout au long du XVIIIe siècle, l'alchimie va continuer d'être pratiquée, notamment en Europe centrale, et connue avec la franc-maçonnerie. Donc, elle va, avec la franc-maçonnerie, gagner en popularité. Mais les jours de l'alchimie commencent à être comptés, puisque les savants et les scientifiques vont faire de nouvelles découvertes à la fin du XVIIIe siècle, notamment les éléments intransmissibles, ce qui va devenir plus tard notre fameux tableau périodique, et ce qui va détruire en fait les fondements de l'alchimie. À ce moment-là, les scientifiques vont se tourner désormais vers l'avenir, vers la technologie, plutôt que de se concentrer sur le passé, sur les textes anciens, pour tester leurs hypothèses sur le monde qui nous entoure. Et on peut dire aujourd'hui que les alchimistes du passé, s'ils nous voyaient jouer en laboratoire avec les protons, les neutrons, faire de la physique nucléaire, créer des métaux comme la fibre de carbone ou produire des diamants synthétiques, eh bien, ils seraient sans doute stupéfiés par cette avancée. Mais on peut dire véritablement que l'alchimie, qui finalement, on va dire avec l'ère moderne, a été détachée de la science, alors qu'à l'époque, elle recouvrait, on le disait, un ensemble de choses, de la philosophie, de la médecine, mais aussi d'ailleurs un côté très ésotérique, hein, parce que bien souvent, les alchimistes, ils vont utiliser pour leurs expériences alchimiques, bien évidemment, des équipements hein, comme des creusets dans lesquels ils vont chauffer les différentes substances, ils vont utiliser des fours, ils vont utiliser des tubes, des béchers en verre, ainsi que des appareils de distillation. Mais ils vont aussi y introduire souvent un élément mystique. Donc, de nombreux alchimistes pensaient non seulement qu'il fallait trouver la bonne combinaison de substances, mais aussi que les expériences devaient être menées à des moments précis. Et c'est là que les horoscopes, différents sortilèges et incantations vont véritablement faire partie de l'arsenal des connaissances de l'alchimiste. Donc très très clairement, à cette époque-là, on peut rapprocher l'alchimie de la sorcellerie. Voilà. Donc voilà pour l'histoire de l'alchimie. J'espère que ça a été clair pour vous et que, je ne sais pas, est-ce que ça a été clair pour vous d'ailleurs, Alina? Ah, Dis-moi. écoute, c'était aux petits oignons. Moi, j'en ai pris plein les mirettes. Et en plus, de savoir que tu as parlé de Nicolas Flamel, c'est d'autant plus touchant parce que forcément, je suis fan d'Harry Potter, mais surtout que Nicolas Flamel est passé par Lyon. Et il se passe, enfin, il y a une légende autour de Nicolas Flamel et de Lyon. Je ne sais pas si tu la connais. Ah non, pas du tout.
Il aurait, a priori, donc, lors d'un de ses séjours, déposé un diamant très très rare, d'une valeur inestimable. Donc, c'est un trésor énorme. Et de très nombreux chercheurs ont tenté, pendant des siècles, à essayer de retrouver ce fameux diamant qui se serait situé, a priori, selon la légende, rue de la Juiverie à Lyon. Donc, c'est quelque chose, en fait, en tant que Lyonnais, que l'on a en nous. C'est un petit peu comme, comment il s'appelle, le spirit. Allan Kardec. Kardec. Voilà, on a en nous, en tant que Lyonnais, des traces comme ça ésotériques qui sont ancrées sans le savoir. Hein. Et le fait que tu parles de Nicolas ce matin, c'est très émouvant pour moi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, de voir justement que ces illustres personnages vont sillonner à travers la France et qu'on va retrouver un peu comme Nostradamus aussi, hein, dans une autre époque, mais on va retrouver leurs traces un peu partout dans des lieux qu'on connaît, en fait. Et c'est ça qui est effectivement, comme tu le dis, qui est émouvant, quoi. Totalement, ma très chère Vera. Eh bien, écoute, Alina, tu me fais une magnifique transition pour vous parler justement de cette figure emblématique de l'alchimie qu'est Nicolas Flamel. Alors, Nicolas Flamel, comme je vous disais, beaucoup de jeunes générations l'ont découvert à travers Harry Potter, mais en fait, il a vraiment existé et c'était un personnage illustre de la vie parisienne au XIVe siècle. Donc, il est né vers 1330-1340, on n'est pas tout à fait sûr de sa date de naissance, a priori à Pontoise, près de Paris. Alors, dans un contexte où la peste noire de 1348 va emporter plus d'un tiers de la population européenne, et sa vie va s'écouler à Paris pendant la guerre de Cent Ans et différents autres conflits, donc voilà, donc dans des temps, on va dire, assez obscurs. Alors, Nicolas Flamel, il a la chance de naître dans une bonne famille qui va pouvoir lui payer des études et qui va subvenir à ses besoins. Donc, il sait lire, il sait écrire, il sait parler le latin. Et il va recevoir une éducation de clerc qui, en plus du soutien financier de ses parents, va lui permettre de s'émanciper très tôt en devenant écrivain juré à Paris, probablement vers 1368. Alors, écrivain juré, donc la qualité de juré vient du fait qu'à l'époque, il a dû prêter serment à l'université et il faisait donc partie de la catégorie très privilégiée des, je cite, « libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains et lieurs de livres, tout genre de métier appartenant aux diverses sciences et connus au Moyen-Âge sous l'appellation générique de clerc ». Donc, il dépendait de l'université et non de la juridiction du prévôt de Paris, comme les autres marchands, et donc il était à ce titre exempté d'impôts. L'impôt, notamment, à l'époque, s'appelait la taille. Voilà, donc, après avoir prêté serment, il va acquérir sa première échoppe adossée à l'église Saint-Jacques de la Boucherie, dans la rue des Écrivains. Et cette échoppe, elle était minuscule, parce qu'elle faisait 1,60 m de long pour 70 cm de large. Il faut s'imaginer le truc, hein. Et pour autant, bah, le succès est au rendez-vous. Donc, il a pas mal de clients, et notamment, il va aussi être enseignant pour les enfants, on va dire, de personnes aisées, pour leur apprendre justement à lire et à écrire. Donc, avec justement ce succès, il va pouvoir acheter une maison juste en face de son échoppe, au coin de la rue des Écrivains et de la rue de Marivaux. Donc c'est justement cette rue qui va devenir, qui est aujourd'hui en fait la rue Nicolas Flamel, qui va être nommée comme telle en 1851. Et donc dans cette maison, il va y habiter, il va y installer son atelier qui s'appelle la Fleur de Lys. Et cette maison, décorée de gravures et d'inscriptions religieuses, portait la maxime « Chacun soit content de ses biens, qui n'a suffisance, il n'a rien ». Et c'est ce qui témoigne en fait de l'aisance financière qu'il avait, mais aussi d'une certaine humilité. Alors aujourd'hui, cette maison, vous ne pourrez pas la voir, elle est disparue, puisqu'en fait, elle a été recouverte par la rue de Rivoli. Voilà, cette rue de Rivoli va recouvrir l'ancienne rue cette partie de l'ancienne rue des Écrivains, l'emplacement de la maison de Flamel et puis une majeure partie de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, dont il ne reste que la tour Saint-Jacques, mais dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc vers 1370, il va épouser une femme deux fois veuve, et qui était assez fortunée, qui s'appelle Pernel. D'ailleurs, il y a aussi une rue Pernel qui n'est pas très loin de la rue Nicolas Flamel. Et en 1372, ils vont se faire un legs mutuel de leurs biens. Et d'ailleurs, Pernel va exclure de son héritage sa sœur et ses enfants. Donc eux-mêmes sans enfants, les deux époux Flamel vont commencer à financer des œuvres et constructions pieuses. Alors je précise, on va dire, ces actes-là parce qu'en fait, finalement,
On connaît de la vie de Nicolas Flamel, on va dire dans les traces objectives et réelles, beaucoup en fait justement d'actes administratifs, comme justement ses legs, comme leur mariage, comme le testament aussi de Nicolas Flamel qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est finalement vraiment à travers ces éléments-là qu'on peut retracer sa vie. Tout le reste, ça n'est finalement que légende. Donc Nicolas Flamel coule des jours heureux avec Pernelle lorsque justement cette fameuse légende va s'inviter dans sa biographie. Une nuit, alors qu'il dort paisiblement, Flamel va faire un étrange rêve. Un ange va lui apparaître, un mystérieux livre à la main. L'ange lui dit alors: Flamel, observe ce livre. Pour l'heure, tu n'y entends rien. Personne ou presque ne le peut. Mais un jour, tu y verras ce que nul ne saurait y voir. Et tout d'un coup, l'ange disparaît dans un nuage d'or et Flamel oublie ce curieux rêve. Jusqu'au jour où, se rendant comme d'habitude dans l'une de ses échoppes, un beau jour de tempête, bah oui, il faut toujours qu'il y ait un petit peu, on va dire, une aura un peu mystérieuse à cette journée, un homme se présente à lui portant un mystérieux paquet sous le bras. L'homme, manifestement sans le sou, le supplie de lui acheter ce qu'il a enveloppé dans un vieux morceau d'étoffe. Et Flamel va reconnaître avec stupeur le livre qu'il avait vu en rêve et il le lui achète. Ce livre, doré et fort vieux, à la couverture de cuivre, n'était pas fait de papier ou de parchemin comme les autres livres de l'époque, mais d'écorce d'arbrisseau. On dit qu'il était composé de 3 fois 7 feuillets, c'est-à-dire 21 pages. Il comportait des caractères étranges et indéchiffrables, des figures et des lettres sans doute issues de langues anciennes. Sur le premier feuillet, on trouve le titre: Le livre d'Abraham le Juif, prince, prêtre lévite, astrologue et philosophe, à la gent des Juifs, par l'ire de Dieu, dispersé aux Gaules, salut. Et pendant 21 ans, ce qui correspond en fait au nombre de feuillets du livre d'Abraham, lui et sa femme Pernelle auraient tenté de le déchiffrer, mais en vain. Flamel aurait croisé le chemin de Maître Ansaulme, un alchimiste reconnu de l'époque, qui lui aurait inculqué certains rudiments de l'art hermétique, mais pas suffisamment pour décoder la totalité du livre. Du coup, il va décider de partir en pèlerinage en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans l'espoir d'y trouver là-bas l'aide de la divine Providence, son précieux livre sous le bras. Et là, il va y rencontrer Maître Canche, qui est un marane. Alors, un marane, c'est un juif d'Espagne qui est converti au christianisme et qui, en secret, conserve toutes les pratiques et croyances juives. Canche va reconnaître immédiatement l'ouvrage. Un ouvrage sacré que son peuple connaît bien et croyait perdu pour toujours. Le maître va accepter d'enseigner ses savoirs à Flamel en échange de pouvoir étudier le livre d'Abraham autant qu'il le souhaite. Canche va lui inculquer donc les fondements de la science hermétique, en particulier la véritable nature de la materia prima, qui est l'agent initial de l'opération alchimique. Et après plusieurs mois passés en Espagne, Flamel et Canche vont repartir pour la France. Malheureusement, Canche va décéder en chemin du côté d'Orléans après 7 jours d'agonie. Mais pendant cette longue semaine, Canche va pouvoir transmettre la totalité de son savoir ésotérique, alchimique, à son ami. Flamel remonte donc à Paris et, rentré chez lui avec l'aide de son épouse, il va mettre en pratique ses enseignements et on dit qu'il aurait réussi le 17 janvier 1382 à créer la materia prima. Puis, les époux parviennent à maîtriser l'œuvre au blanc, c'est-à-dire à changer une demi-livre de métal en argent pur. Puis, le 25 avril de la même année, les Flamel réalisent l'œuvre au rouge en transformant une demi-livre de métal en or pur. Dans son livre des figures hiéroglyphiques qu'on lui attribue, Flamel prétend avoir réitéré l'expérience de l'œuvre rouge par 3 fois. Et on dit que c'est grâce à la richesse prétendument acquise par sa pratique de l'alchimie que les Flamel vont pouvoir financer divers dons et constructions pieuses. Alors ça, on en trouve justement aussi très précisément la trace, hein, en plus des différents actes administratifs dont je vous parlais. Donc par exemple, en 1389, Nicolas Flamel va faire construire et décorer l'une des arcades du cimetière des Innocents du côté de la rue de la Lingerie. Et justement, sur cette arcade, on va y trouver gravé un homme encapuchonné de noir qui figure la mort, les initiales de Nicolas Flamel en lettres gothiques et un poème et des inscriptions religieuses exhortant à la piété. La même année, il va financer la réfection du portail de Saint-Jacques-la-Boucherie,
dans lequel certains ont vu de subtiles références alchimiques, notamment 8 anges musiciens sculptés sous lesquels Nicolas et Pernelle sont figurés, représentés en prière au pied de la Vierge Marie, qui elle-même tient une grappe de raisin, symbole de la materia prima. On y voit aussi l'agneau divin que désigne Saint Jean-Baptiste, symbole du soufre caché, ainsi que les deux coquilles de Saint-Jacques qui rappelleraient son précédent pèlerinage pour découvrir les secrets du livre d'Abraham. Alors Pernelle va mourir malheureusement en 1397 et juste avant sa mort, la famille de Pernelle va essayer de faire annuler le legs mutuel entre les époux. Finalement, Nicolas Flamel va finir par gagner son procès et grâce avec cette fortune qu'il va réussir à conserver, il va financer d'autres constructions dévotes et va s'engager aussi dans de nombreux investissements immobiliers à Paris. Notamment, il va faire construire plusieurs maisons qui sont destinées à accueillir des pauvres. Et notamment, et celle qui d'ailleurs est visible, et d'ailleurs qu'on appelle la maison Flamel, mais sans qu'il n'y ait jamais habité, c'est la maison que vous allez trouver 51 rue Montmorency à Paris, et qui est, a fortiori, la plus vieille bâtisse encore existante de l'époque à Paris, et dans cette, au-dessus, on va dire, de l'entrée, donc sur le linteau, on voit encore l'inscription qui, outre les initiales de Flamel et diverses figures décoratives, porte l'inscription « Nous, hommes et femmes laboureurs, démourants au porche de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit, soit dire tous les jours, un paternostré et un Ave Maria, en priant Dieu, et que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trespassés. Amen. » Donc cette maison, qui est baptisée Maison de Nicolas Flamel, accueille aujourd'hui un restaurant gastronomique qui s'appelle l'Auberge de Nicolas Flamel. Donc vous pouvez la visiter de l'intérieur, mais à condition de réserver une table. Donc voilà, donc ça c'est une des traces très concrètes que vous trouverez de l'existence de Nicolas Flamel à Paris. Alors Nicolas Flamel va mourir le 22 mars 1418, jour de l'équinoxe de printemps, où la nature se réveille de son hibernation et où les influences sont favorables à l'accomplissement du grand œuvre, à savoir la réalisation de la pierre philosophale. Il va être enterré sous l'église Saint-Jacques-la-Boucherie et sa pierre tombale va être installée sur un pilier au-dessous d'une image de la Vierge. Pendant la période révolutionnaire, vers 1797, cette église va être détruite et la pierre tombale va cependant être conservée, rachetée par un antiquaire à une marchande de fruits et de légumes qui était dans la rue de Saint-Jacques-la-Boucherie et qu'elle utilisait comme un étal pour mettre ses épinards. Donc ça, c'est, on va dire, l'histoire un peu drôle. Et cette pierre tombale va être rachetée en 1839 par l'hôtel de ville de Paris. Et aujourd'hui, cette pierre tombale, vous pouvez la visiter, la voir au musée de Cluny. Donc là aussi, une trace très concrète de l'existence de Nicolas Flamel. Et ses ossements, ainsi que ceux de son épouse qui a été inhumée avec lui, sont alors transférés aux catacombes de Paris. Voilà, donc vous voyez, c'est dans, en fait, ce que des chercheurs ont pu analyser par la suite, c'est que finalement, c'est quelqu'un à qui on a prêté une richesse immense, et a priori, on va dire, accumulée dans un temps très très court, donc c'est ce qui a vraiment, on va dire, posé question et qui a vraiment fait le lit de cette légende alchimique. En réalité, on sait que c'est, comment dire, que finalement ces œuvres, ces dons, etc., étaient quand même relativement modestes. Et par son testament, donc comme je vous disais, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, il a fait des legs, mais de montants peu élevés. Donc on a priori quand même assez surévalué, on va dire, sa fortune. Mais c'est ce qui a fait véritablement quand même que ça a fait cette réputation écrite, transportée, transformée par différents auteurs entre le XVe siècle et le XVIIe siècle, donc cette période faste de l'alchimie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la légende va jusqu'au bout pour prétendre que
Nicolas et son épouse Pernelle auraient atteint l'immortalité, hein, puisqu'ils ont réalisé le grand œuvre, et seraient devenus immensément riches, donc avec la pierre philosophale. Il y a même un certain Paul Lucas, qui était un célèbre voyageur du temps de Louis XIV, qui assure avoir croisé le couple. Donc ça, c'est le truc un petit peu classique. Et on dit même que le couple fortuné aurait prétexté donc sa mort et quitté la France pour la Suisse. Et oui, déjà à l'époque, on allait faire de la défiscalisation en Suisse. Donc Nicolas aurait attendu 20 ans pour rejoindre Pernelle dans les montagnes suisses. Sans parler du trésor enfoui sous la tour de Saint-Jacques-la-Boucherie, ce trésor qui consistait en un coffre de cèdre contenant le livre original d'Abraham et des échantillons de la poudre de projection, suffisant pour changer l'océan en or si l'océan était en mercure. Voilà, donc la légende va jusqu'au bout du bout. Donc aujourd'hui, et pour finir sur, on va dire, notre balade alchimique, un autre lieu que vous allez pouvoir visiter et qui est intimement lié à l'histoire de Nicolas Flamel, eh bien, c'est la tour Saint-Jacques de la Boucherie, qui est l'unique vestige qui reste de l'église, puisque je vous disais qu'elle a été détruite pendant la période révolutionnaire. Et donc, d'ailleurs, au passage, hein, pourquoi Saint-Jacques de la Boucherie? C'est parce que, en fait, à l'époque, la corporation des bouchers était immensément riche et très très puissante, très très proche des réseaux de pouvoirs locaux de la capitale. Et la corporation des bouchers siégeait dans l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Je ferme la parenthèse. Et donc, en fait, cette église, en 1509, va être, on va dire, complétée d'un nouveau clocher dans le style gothique dit flamboyant, donc construite par Jean de Félin, Julien Ménard et Jean de Rêvier. Et sa construction va s'achever en 1523. Voilà. Et donc, on dit que c'est, je vous rappelle, hein, sous cette église disparue, que Nicolas Flamel et son épouse ont été inhumés, d'où son nom, en fait, de délicieux beffroi de Nicolas Flamel. Mais l'histoire de la tour Saint-Jacques, ça n'est pas que Nicolas Flamel, c'est aussi d'autres éléments très intéressants. Par exemple, Blaise Pascal, le célèbre mathématicien et physicien, va effectuer des expériences dans cette tour sur la pesanteur de l'air entre 1647 et 1648. Et donc, il va notamment utiliser du mercure pour mesurer la pression atmosphérique. Ensuite, cette tour va devenir un bien national. Et donc, le clocher va être conservé. Et il y a un entrepreneur du nom de Dubois qui va y établir une fonderie de plomb de chasse, c'est-à-dire une tour à plomb, puisqu'en fait, les 50 mètres du clocher, oui, puisqu'elle fait 54 mètres de hauteur, sont suffisants pour que les gouttes de plomb refroidissent et forment des billes à l'arrivée. Ça, c'est aussi, on va dire, hein, une anecdote intéressante. Et à l'emplacement de l'église, en 1824, on va construire un marché couvert pour le linge et les habits. En 1836, la tour va être rachetée par la ville de Paris. En 1850, on y aurait même installé un phare pour illuminer tout le quartier avec la lumière électrique. Et en 1853, le baron Haussmann va mener les travaux qu'on lui connaît. Et notamment, ces travaux vont mettre en valeur la tour par l'aménagement de la rue de Rivoli et du boulevard Sébastopol et la création du square qui aujourd'hui entoure la tour Saint-Jacques. Ensuite, une station météorologique va y être déployée en 1891. Et aujourd'hui, cette tour, vous pouvez la visiter. Alors, vous ne pouvez pas la visiter tous les jours de l'année. Elle n'est ouverte que du mois de mai au mois de novembre. Et elle est vraiment intéressante à voir parce que vous allez pouvoir observer dans son style gothique, aux angles de sa terrasse qui se situe tout au sommet, les statues qui représentent les saints évangélistes comme Marc, le lion, Luc, le taureau, Jean, l'aigle et Matthieu, l'ange. Voilà. Vous allez aussi trouver une statue de Saint Jacques le Majeur, qui était donc le saint pour lequel on a construit l'église de Saint-Jacques. Voilà. Et puis, c'était pendant très longtemps un des monuments les plus hauts de Paris. Voilà. Mais pour ça, il va falloir aussi que vous gravissiez les quelques 300 marches, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 16 étages. Donc, autant vous dire qu'il faut être plutôt en bonne condition physique si vous avez envie de profiter de la vue inoubliable, puisqu'en fait, c'est vraiment un point de vue panoramique exceptionnel, la tour Saint-Jacques de la Boucherie.
Donc voilà, donc en résumé, si vous allez à Paris prochainement et que vous avez envie d'aller sur les traces de Nicolas Flamel, rendez-vous dans le 4e arrondissement pour voilà, flâner dans la rue Nicolas Flamel, dans la rue Pernelle, pour aller voir la maison Flamel, rue Montmorency, peut-être manger dans le restaurant gastronomique l'auberge Nicolas Flamel, aller voir la tour Saint-Jacques. Et pourquoi pas, faites un petit tour aussi par le musée de Cluny, mais ça, c'est dans le 5e arrondissement, qui est vraiment un musée magnifique et dans lequel vous retrouvez notamment la tenture dite de la Dame à la Licorne, que je vous conseille fortement. Nous sommes arrivés au bout de l'horaire. Alina, il est 11h21, j'ai même dépassé d'une minute. Alors j'espère que cette visite quelque peu alchimique vous aura enchanté. Et moi, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles pérégrinations ésotérico-parisiennes. Waouh, vachement bien dit, hein. N'est-ce pas? Je l'ai écrite, hein, la phrase, Ah hein, on d'accord, pourra vous la... ésotérico. Ah non, j'adore ésotérico. En tout cas, c'était passionnant, ma très chère Vera. Alors, l'histoire de Nicolas Flamel me fait quand même penser un petit peu, hein, dans le même esprit, à l'abbé Saunière, avec la découverte de ce trésor près du village de Rennes-le-Château. Tu Oui. trouves pas qu'il y a des similitudes quand même entre ces deux Ah personnages? oui. On retrouve effectivement plein de choses mystérieuses. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est encore plus passionnant, comme quoi l'histoire se répète quelque Exactement. part. Merci à toi vraiment Vera pour cette magnifique chronique. Bien Mais avec grand évidemment, plaisir. les amis, n'oubliez pas, vous pouvez également contacter Vera par mail si vous souhaitez recevoir son plan, parce qu'elle n'a pas du tout dit hein, dans le plan Vera. Il est magnifique le plan, mais c'est vrai J'ai que... sauté, parce que Oui. sinon à midi, j'y étais encore. Et oui. Hein. Donc, si jamais vous voulez son plan, faut pas hésiter à lui écrire. Donc, c'est Vera, vera@radioantasia.fr, les amis. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention et puis je vous fais plein de grosses bises et bon dimanche à tous. Merci à toi, ma très chère Vera. Ciao, ciao! Eh bien, les amis, on va faire une petite pause musicale et j'ai promis sur le chat, notamment à Ophélie, de transmettre une info assez étonnante et je pense que les fans de TikTok vont adorer l'info que je vais révéler là dans quelques minutes et ensuite eh bien on parlera de l'actualité et The Witch les amis donc on se laisse pendant quelques minutes et je vous passe le titre donc de Eivor, c'est un titre que j'aime énormément et je trouve qu'il va bien en corrélation avec l'ambiance et l'univers un petit peu voilà alchimique, witchy et tout et tout. Donc on se laisse et on se retrouve d'ici quelques minutes. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.